Alors un mot sur les arbitres de ligne, ils ont un gros rôle à jouer, mais franchement, ce sont les meilleurs. Les hors-jeux sont toujours... On peut pas discuter avec l'arbitre, coup franc mérité. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. Bon, qui va le tirer? Il va peut-être marquer. Bien défendu. Changement d'aile. Ils peuvent construire quelque chose. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Caloué. Bien joué. Il va prendre sa chance. C'est une belle occasion, sans réussite. C'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours. La faute est manifestement délibérée. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Il cherche des espaces. Bien joué le gardien. C'est dégagé. Un exemple parfait de changement d'aile sans effort. Ils sont partis sur l'aile. Le tir est contré par le défenseur et ce sera un corner. Chandelle ! Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait au-dessus. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est le genre de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Nouvelle interception. Bien joué ici. Et De Jong. Le débordement, c'est un truc qui est souvent payant. N'oubliez pas de jouer le ballon, coup franc. Ils reprennent le ballon. Encore une occasion de centrer. Va-t-il trouver le bon timing? Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. C'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. C'est dommage que sur une transversale pareille, on ne trouve personne à la réception.
Ils ont passé les lignes arrière. Bien vu. Bon retournement de situation, il a le ballon. Intervention trop rugueuse, coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance car il pouvait sortir un rouge. Quelque chose. Mais quel coup de tête! Un bon centre permettrait d'inscrire le premier but de ce match. Il déborde sur l'aile. Il tire. Le tir est passé tout près du poteau gauche. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours en rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Super contrôle du jeu. Muntari, Kaloué, Vandenberg. Belle passe en profondeur. Encore une occasion de centrer. Le ballon sort en touche à un très bon endroit. Construire quelque chose. C'est très loin du poteau droit. Ah, c'est vraiment la tête plongeante idéale. Il ne manquait plus que la piscine dessous. Il a mis la tête comme il fallait. Le ballon est passé juste à côté. Franck concédé la suite de ce tacle. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge. Ça ne va pas être facile d'ici. Jolie frappe. Le portier détourne encore même. Il arrive devant le nez du gardien. Ils n'ont toujours pas perdu le ballon. Il reprend le ballon maintenant. Et Lidras est là. Muntari. Et Lidras est là. Bon réflexe, bien joué. Du pied, dégagement sûr. Edu Dracena, Muntari. Le duel est remporté, c'est bien. Une passe en profondeur, plein axe. Ballon dévissé, il doit encore s'appliquer. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds.
Très bonne maîtrise défensive. Bien anticipé. La balle change de propriétaire. Nouvelle occasion de centrer. Quelle panique dans... Attention à ce jeu plus physique, coup franc. Encore une belle occasion. Il va pouvoir marquer. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. Vandenberg. Kaloué. Muntari. Encore une occasion de centrer. Il est dans la surface, face au gardien. C'est une erreur qui aurait pu coûter cher. Heureusement, le défenseur était là. Corner. Le ballon est dans les airs. C'est pas un tir mauvais, mais c'est pas vraiment cadré. Et voilà une attaque sur l'aile. L'arbitre assistant a levé le drapeau, hors jeu. Kaloué. Encore une belle occasion. Il entre, balle au pied dans les 16 mètres. Le goal a la situation en main. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Il joue derrière la défense. Il n'arrive pas à trouver de partenaire dans la surface. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Ça, c'est vraiment du beau football. Le ballon circule bien au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. Ils avancent bien sur l'aile. Quelle frappe! C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. C'est vraiment dommage que ce genre de centre ne trouve pas preneur. Énergique. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. C'est bien vu, c'est important d'écarter le jeu. Nouvelle occasion de centrer. Il se défend bien. Du jeu, il n'y a rien à dire.
Kaloué. Il a mis le pied sur le ballon. Et De Jong. Il veut marquer. Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. La défense est vraiment solide. Pour De Jong. Encore une occasion de centrer. Il vient renforcer ses attaquants. Et... le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Le ballon sort en touche. Il cherche le couloir. Ils peuvent construire quelque chose. Il essaie d'y arriver. Ça n'échappe pas au gardien. De Jong. Il passe en retrait au gardien. Encore une occasion de centrer. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. En plein cœur de la surface. Ils échappent au danger au prix d'une remise en jeu. Allez, ça doit aller au fond. Il tire. Ouais, c'est dedans, plein cadre, merveilleux, bien joué de la part de l'attaquant. Il marque juste avant la pause. Tristan a traversé la tremblée, mais le ballon est quand même rentré du bon côté pour l'attaquant. Et s'il était un peu plus grand, il pourrait même aller embrasser la barre. Quelle ambiance! Ce but a vraiment fait disjoncter tout le stade, c'est impressionnant. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Ça, c'est le moment idéal pour marquer un but. Ils vont être en pleine confiance. Voilà, tu peux attaquer la deuxième période en pleine boule. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Un long ballon vers l'avant. Oh, que ça peut être dangereux sur ce contre. Il reprend le ballon. Kaloué. La balle n'est pas passée. Super barre de réflexe. Muntari. Encore une belle occasion. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire? Il a dégagé.
Le duel est remporté, c'est bien. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Bien défendu, le ballon est récupéré. Nous sommes dans le temps additionnel. L'arbitre regarde son chrono. Il reste une poignée de secondes. Tir du droit, mais il en faut plus pour mettre le gardien. S'empare du ballon. L'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. C'est vrai qu'un 0 ils ont encore. Allez, c'est reparti et ce repos a dû faire du bien à tout le monde car pour l'arbitre c'était difficile et il n'y avait pas une très bonne ambiance. Il faut bien reconnaître qu'il s'accroche encore, le ballon circule bien mais il faut concrétiser ses mouvements. Le gardien a bien vu que ça passait loin. Et là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Oui, la demi-volée. Ballon repoussé des points, corner. Qui va le prendre dans la surface? Non, il a manqué la cible. Et le gardien récupère le ballon. Bon dégagement. Comportement inadmissible, l'arbitre siffle, c'est normal. Dans l'axe. Oh, la faute est manifestement délibérée. Muntari. L'entraîneur commence à avoir peur. La zone de jeu est dangereuse. Il faut pouvoir écarter ce ballon. Le danger est écarté. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Kaloué. Bien joué ici. Encore une occasion de centrer. Quel mauvais dégagement. Bien joué de la part de la défense. Loué. Il était bien placé pour l'intercepter. Et c'est peut-être l'occasion d'ajouter un nouveau but. C'est chaud pour le gardien. Le ballon est toujours sous contrôle. Vandenberg. Au niveau de la circulation du ballon, il n'y a rien à dire, mais maintenant il faut être super réaliste.
Le contre, c'est une arme redoutable. Il a osé. On n'était pas loin du but. À mon avis, il a senti un défenseur venir derrière lui. C'est pour ça qu'il s'est précipité sur le tir. De tenter de telles frappes, c'est comme ça qu'on marque des buts dans notre monde. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Que va faire le gardien? Quelle frappe! Et oui! Bien joué! Et ce but leur permet de doubler la mise juste après la pause. Et Christian, vous avez vu ce but? Et là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a qu'à regarder. C'est vraiment une bonne avance. Ah, on sent bien que l'entraîneur il a le sourire devant la caméra. Ce but devrait calmer les esprits maintenant. Non, le ballon a été intercepté. Encore une belle occasion. Le portier le laisse échapper. L'entraîneur doit être très mécontent de son gardien, mais heureusement, la défense a très bien réagi sur le coup. Bonne interception, on peut relancer. Occasion de centrer. Le danger est écarté. Place maintenant à une touche. Nouvelle occasion de centrer. Il a trouvé le décalage. Il est hors jeu, c'est une évidence. Obstacle, coup franc. Deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. L'arbitre estime que ce tacle n'est pas régulier. C'est un peu dur, mais il faut aller au vestiaire. Dommage, l'arbitre a levé son drapeau.
Oh là là, une occasion en or. Oui, très bien joué. Quel beau but. Le gardien n'a rien pu faire. C'est du délire dans le stade. Vous avez vu Christian, c'est son appel qui a déclenché la passe en profondeur. Par contre, la finition, il la doit à lui tout seul et un peu à son défenseur qui l'a oublié. Écoutez ses supporters. Certains d'entre eux crient, sifflent. Ce but, franchement, ne leur a pas plu. Seulement un but sépare les deux équipes. Les hors-jeux, il faut être bien placé sur le terrain. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Il a dévié. Bonne maîtrise du goal. Coup franc accordé, mais oui, c'est trop physique. Encore une occasion de centrer. Ce ballon frôle la transversale. Il n'a même pas la place pour passer la lunette. Encore une belle occasion. Nouvelle remise en jeu. Cette passe en profondeur n'a rien donné. Elle est dégagée. Nouvelle occasion de centre. Entre les poteaux, mais bien au-dessus, il s'est trompé de sport. C'est dommage qu'il n'ait pas le bon geste dans la finition. C'est encore une occasion de gâcher. Encore une occasion de centrer. Ils ne marqueront jamais s'ils ne visent pas le cadre. Imprécis, manque de concentration. C'est impossible de marquer de la langue pour fermer. C'est beaucoup trop physique, coup franc. Directement dans les gants du portier. Bonne réaction de la défense.
peuvent construire quelque chose. Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. Nouvelle occasion de centrer. C'est une grosse faute et ça peut être dangereux. Le gardien essaye de deviner où il va tirer, pas facile. Le ballon a été touché par un défenseur, quand même. Premier poteau. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire.